DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwa ngoya ngoyo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah yeah. Voilà, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Nous sommes là le matin du vendredi 22 novembre 2024. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale? Vital Kamerhe recherche la tête de Fatshi et un certain groupe de députés sont démystifiés et déshabillés. Précision dans cette émission. Il y a maintenant un front contre le changement de la Constitution monté au niveau de l'Assemblée nationale. Un groupe de députés s'est prononcé balobi non au changement de la Constitution. Bah évoqué article 219 de la Constitution. L'article 219 de la Constitution évoqué et nous allons faire l'analyse de cet article. Et aussi, il y a déjà un groupe de députés qui ont signé Mokanda pour na kolongola état de siège dans la République démocratique du Congo. Et ces députés sont soutenus par leur président. Si vous avez dit que vous avez dit vilipendé, vous avez dit menacé, vous avez dit trahi par ses proches. Vous avez dit trahi par ses proches. Bandeko, est-ce que vous pouvez permettre de vous dire? Est-ce qu'un Congolais, est-ce qu'une Congolaise courageuse, un Congolais courageux, a ressemblé à Vato Banda? Namoni maman Magui depuis Hollande. A tomboli le boko, a senga sambela, a sambeli to bandi suko émission. Alors, ba Congolais, disons les choses au clair. Et allons tout droit au but. Article 219 de la Constitution de la République démocratique du Congo, rapidement nous dit ceci. Nous sommes là. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. A bazar oyebi sabiso quelques motifs oyeko salake révision changement à constitution et salamate. Mais de la du début jusqu'à la fin ya constitution tozalango aucune part na yoki na moni balobeli changement à constitution. Aucune part du premier article jusqu'au dernier article aucune part Bazo et Bisabiso, Bazo Lobela sur le changement à constitution. Nakati à constitution otozanango, Bazo Lobela kaka sur la révision. Mais le lociko le problème c'est quoi? Le peuple congolais azaro senga révision te, mais le peuple congolais azaro senga changement à constitution. Parce que Kabila à son époque a révisé déjà constitution. Alors, la population congolaise aujourd'hui, ils ont fait une révision, mais ils ont fait un changement. C'est-à-dire, ils ont déclassé en totalité la constitution de Tozanango, la constitution de Sika. Alors, Bazaro et Bissabiso, dans l'article 219 de la constitution, révision constitutionnelle ou kobongo la constitution et kokiko salamate pendant que Tozanango est en état de guerre. État d'urgence, état de siège, pendant qu'il y a un intérim à la tête, il y a présidence de la République, et pendant que les deux chambres du Parlement ont impossibilité à se réunir librement. Mais tout le monde, un groupe de parlementaires balancé un message pour dire que le col à Tozana état de siège, dans le nord Kivu, province à Ituri, le changement à la constitution. Président Tshisekedi Aroyiko évoqué à Ngote. Alors, disons les choses au clair. La constitution est l'état de guerre, l'état d'urgence, l'état de siège
dans la totalité de la partie de la République. Soki toza na état de guerre, na état de siège, na République démocratique du Congo mobima na ba province na biso nyonso, ne constitution cause la révisée. Mais nous sommes dans un état de siège partiel. Nous sommes dans un état de siège partiel où simplement des provinces ne basant dans état de siège. Cela ezo pekisa révision, cela ezo pekisa changement. Ce qui est l'autre, le qui na changement, le qui na révision en constitution, état de siège où ezo la province à Ituri, na état de siège où ezo la province ya Nord Kivu et qu'on pénalise et qu'on faire violer bisomi begote. Parce que la constitution dans l'article 219 ezo lobela état de siège sur le plan national. Ezo lobela état de siège sur le plan partiel. Alors, il y a un groupe de députés bakoti si mokanda et pas Vital Kamerhe. Vital Kamerhe ayambi yango pandemi yango. Est-ce que c'est une trahison boyo kasiko bandeko? L'état de siège au nord et au niveau ya province à Ituri pose problème à certains députés oyo bazaba très très bazan la kati ya ba groupe rebelle. Surtout des députés déjà au bazan démantelé, surtout des députés au bazan déjà dévoilé ya province à Ituri. Basangani bayokani parce que ba intérêt na bango est en danger. Ba intérêt na bango est diminué. Ba intérêt na bango est endommagé. Alors, il faut attaquer l'ordonnance du chef de l'État. Oye sali que toko tana état de siège, na Nord Kivu, na Sud, na province à Ituri. État de siège, oyo, et mettre même le Rwanda à genoux, et mettre Corneille Nanga à genoux, et mettre le M23 et certains traîtres de la République à genoux. Ben, intérêt na bango komi menacé, ba sali mokanda Vital Kamerhe ayambiango, ba zo bounisa siko état de siège. Balobi d'ici ce mois de décembre avant ba député nationaux ba kende congé parlementaire na bango ya le 15 décembre, il faut que état de siège na province ya Ituri, état de siège na province à Nord Kivu est tombé. Et maintenant le président de la République azalaka redevable na assemblée nationale te na sénate. C'est le gouvernement, c'est le premier ministre et son équipe ne bazalaka redevable na assemblée nationale, bazala redevable na parlement. Aucune décision, aucune ordonnance du président de la République est koki kozala attaqué par l'assemblée nationale, par le Sénat. Aucune action ya président de la République est koki kozala attaqué par le une motion, par une pétition na assemblée nationale. Non, parce que le président de la République azalaka redevable na assemblée nationale te, et le président de la République ba nomakaye ou ba votakaye na ba député nationaux te. C'est la première ministre et son gouvernement de bazala redevable na assemblée nationale. Alors au niveau où nous sommes, l'ordonnance présidentielle ne ekotisa province ya Ituri, na province ya Nord Kivu, na kati ya état de siège. Alors, le député national ne peut pas attaquer l'ordonnance du chef de l'État. Bozomona. Mais si comme ba député oyo, ba traître député, ba député oyo, Pepe Mbosso, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko de Mpwanga, à son époque, azalaka président de l'Assemblée nationale, a ebisaka biso les députés nationaux quittaient les groupes armés. Il y a certains députés nationaux na législative passée, bazo continuer pe kozala ba député na parlement oya Kamerhe, bazo continuer kozala ba groupe armé. Alors ba intérêt na bango eza menacé, ba intérêt na bango eza diminué. Ba intérêt na bango eza en faillite, alors bazo menacer état de siège. Balobi ke état de siège wana il faut kwea. Déjà une pétition signée. État moli na ba bureau ebele soutenu par le président à l'Assemblée, bazo menacer. Ici on se pose la question de savoir, la démarche des Congolais c'est aujourd'hui de changer la constitution.
Mais la démarche a changé constitution et tikali jamais qu'on la soutenir par un groupe de députés nationaux. Et tikali jamais qu'on la soutenir par le président de l'Assemblée nationale. Mais bazo soutenir plus la chute, l'annulation, il y a état de siège au lieu ya rokota na démarche, il y a volonté à population de changer d'abord la constitution parce que les lots te faire découvrir ba congolais ba réalité belé tout ça okuta na constitution au dedans na mosiko une constitution des étrangers boza omona. Et maintenant suivant cette vidéo à président de la République ici Fatshi Béton est clair. Ici le président de la République est clair et les ennemis sont déshabillés, l'opposition déshabillée, l'opposition à l'ambo et Makabuna se baza au préparé bakomi dans un état, bakomi dans une position de faiblesse. On ne sait pas si l'opposition va encore continuer à vivre demain, mais suivons d'abord le président Tshisekedi. Moi, ma personne importe peu. Je pense que si nous avons un pays où les institutions sont fortes, quels que soient les individus qui sont là, c'est le pays qui va gagner. C'est un pays aux institutions fortes qui gagnent, pas aux personnes fortes. Voilà. Là, c'est le président de la République qui vient de parler. Congolais Téléma, Congolais Lamouka, Congolais Kota en action. C'est clair. Congolais Téléma, Congolais Lamouka, Congolais Kota en action. C'est très important. Ici, nous sommes na virage yasuka oyo. Si nous ratons cette période, et Rosala, une défaite totale pour toute la nation congolaise, pour toutes les Congolaises et pour tous les Congolais. Alors prenons nos responsabilités à main. Tose laba payate, tose laba tomosu suteba rozolabi soma kambo en charge. Et mettons-nous au travail et réfléchissons ensemble et entrons dans ces combats et réfléchissons et combattons ensemble, et c'est très important. Parce que je vais livrer certains secrets, narobimisa certains complots, certains plans, déjà en musique, mais ça demande juste l'intervention de certains Congolais pour faire échec à ces plans. C'est très important. Mais Congolais a reçu l'échec dans le plan Oyo de soutenir la voix populaire, de soutenir le changement à la constitution. Parce que ces députés nationaux, biso population est au vota ibango. S'il y a une assemblée nationale, s'il y a un sénat, c'est suite à la volonté à la population. Parce que l'assemblée nationale est composée de députés nationaux, au bazaba représentant un peuple. Biso peuple est au vota ibango. Alors la volonté de la base, la volonté populaire est singuée. Tant qu'il y a un processus ou un changement à la constitution. Mais pour arriver à ce niveau, il faut juste une pétition. Parce que la volonté du président est menacée. Le président a mitié na molongo à la population. Le président s'est dit, il est ouvert pour ce processus et changement à la constitution. Mais nous voyons la volonté et la démarche du président de la République est menacée par le camp Katumbi, menacée par le camp Kabila, et Martin Fayulu est là, et tous les autres sont là. Et maintenant, ce qui reste, c'est la décision finale du peuple. Et le peuple doit prendre sa décision finale pour avoir l'exécution de certaines choses. Alors, pour que le peuple ait sa décision, le peuple ait sa décision dans le canal Nini. Dans le canal Arolobaka, dans le canal, soit décision, na yon a ko signé pétition, tous au nombre de 100 000 Congolais, tous signé cette pétition. La pétition est déjà là. Mais pétition est reçoit ma casse. Pétition est reçoit importance si simplement tout Congolais a eu signé pétition. Oh, pétition est déjà. Tous ceux qui s'amaye là-bas étrangers, tous ceux qui s'amaye là-bas 5 ans, tous ceux qui s'amaye là-bas Kadian Pemba, on a signé pétition. La pétition est là, la pétition est simple. Mais suivant cette courte vidéo, nous allons revenir rapidement pour que tout fongola mankambusigo. Suivant ceci. Très chers compatriotes, nous tenons à rappeler à tout vrai Congolais, Congolais de père et de mère, de prendre ses responsabilités en main et de jouer son rôle dans cette démarche pour le changement total de notre constitution.
n'oublions pas que la constitution actuelle est l'expression et l'officialisation de l'accord de l'Emirat. Il suffit de lire ne fût-ce que les 8 premiers articles de cet accord pour comprendre que la balkanisation a été légalement adoptée dans notre loi fondamentale. Sur le plan territorial, quelques centaines de kilomètres ont été cédés aux pays voisins et la loi Bakajika changeait en ces termes. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'Alliance, c'est-à-dire à l'AFDEL. Sur le plan économique, les mines, les banques, le secteur agroalimentaire ont été confiés aux mains des étrangers pendant que nos entreprises publiques telles que la MIBA, la GECAMINE et autres étaient forcées de tomber en faillite. C'est ce qui a même rendu la vie sociale très difficile. Notre pays compte un grand nombre de professionnels et dans beaucoup de domaines. Malheureusement, aucun d'eux n'a pu résoudre quoi que ce soit, vu que la situation nous a été imposée à dessein. Voilà pourquoi nous, peuple congolais, en tant que souverain primaire, devons exprimer notre volonté de changer notre loi fondamentale en signant massivement la pétition. Bah, vrai Congolais des pères et des mères, voisins, zalana mwa musika, tika to traiter na makambo ndako. Bandeko na ngai, likambo etali changement ya constitution etali yo nanga. Nde batu oyo, oyo bazana lilo bakoloba pour le moment, to lobi pe, mokonzi ya mboka, lokola pe aza pre, ya kotosa akosala. Tozo signé pour te singa changement total. De comme toi, quoi ça y était. Mobeko li kunzi toza nangolelo. Ezande accord ya l'Emera. Laurent Désiré Kabila na sima ya ko signé. Ayeko comprendre ka signé makambo mabe. A boyi ko tosa baboma ye. Po azaye ko pekisa bango. Makambo na bango e salema. Tang babomi ye. Baye ko zore biso accord wana. E komi. Constitution na biso bien que ba meki ko bongisa mwa muke ba tche quelques articles po ba lakisa ke po ba bomba eloko zaki na sima ndeko pasi na yo vie sociale tolelaka lelo e banda depuis mukolo wana Laurent Désiré Kabila akabela ki bango andimaki ko cede 300 km ya mabele. Laurent Désiré Kabila asinyaki na bango ba changer loi Bakajika. Loi Bakajika est comment balongola yango baloba boye les sols et les sous-sols appartiennent à l'AFDEL binomoro boye bi AFDEL tango ba yepe na mobeko likunzi na bango ba ye ba s'imposer na mboka na biso ba bandi ko bomanano ba entreprise o ezalaki ko sala force économique na biso pona nini biso toza la batu ya pasi toza ka maboko tendu to singaka et pa bato bayaka ko yiba ba richesse na biso ba pesa na biso ba aide yango ba boma miba GECAMINE sko ba sale ke économie na biso ezala na maboko ya bapaya ne place sociale to le lakalelo social e bandela nde wana pasi bandela nde wana yango lelo ndeko mutwa ya kokosa yo ke auto revoir tor et au fait to réviser pona ba article mususu ya bien exalté article ya bien auto garder bisto ke ne kaka na changement to ke ne kaka na changement ya nyonso ba loi organique oyo et zo gérer seni oyo zo sala ke un député abimi na 8000 voix bache pembeni balobi ke parti na yo et atteindre seuil té baké ko zo député à 2000 voix arnaque wana e wuta na kata constitution oyo c'est bien que c'est une loi organique mais source na ngo constitution yango nyonso tozo changer tozo signer pétition mokonzi ya mboka za obligé à tosa. Voilà, là c'est nous peuple congolais ba oti ko sala message. Mama Monique Mwika na pesiombote, une femme battante, une femme patriote, aza wazalendo, aza rebunda pe aza retransmettre message pour na mboka na ye.
C'est ce que nous appelons du patriotisme. Bazar Obenga Biso, to signer pétition. Alors, pour signer la pétition, c'est simple. Écrivez-nous par le numéro Onazo Pesasiko. Ce qui au komeli biso message, juste bonjour Jésus en collé. Juste bonsoir Jésus en collé. Juste sali Jésus en collé. Automatiquement, on va recevoir lien. Automatiquement, on va recevoir message à pétition et on va signer pétition non calmement. Tant qu'on a 100 000 Congolais, on va signer pétition. Tant qu'il y a un parlement, tout à la suite, on va aller à Badongolomi sous son Baosani. Alors, pendant qu'on joue pétition, pendant qu'on signe pétition, comment na WhatsApp? Pendant qu'on commande na WhatsApp, on commande un numéro ni, on commande un numéro ni en sauté. On commande uniquement un numéro OYO. On commande plus 243 81 57 20 388. Plus 243 81 57 20 388. On commande message WhatsApp. Kobengate s'il vous plaît. Koko mape message normal te, koma kakande message na WhatsApp, uniquement na WhatsApp, ne automatiquement o rezoa lien na yo, lien wana eza lien ya pétition, o kokota o clique na lien na message autoroutine de la yo, eza lien ya pétition, o koti, o landi procédure normale, c'est simple pour signer, o signe pétition na yo, o landi ba condition yon so, mais la condition o yoto solo ba ebangisa ba kongolete, na kati ya pétition bazar o lebela sur les comptes bancaires. Qu'on signe pétition et ça n'a refoute en bon côté. La signe signer la pétition c'est gratuite. La signature de la pétition est gratuite. Bah, vous savez, il y a un bon côté. Au côté, juste c'est la pétition. N'a lien barotine de la yo. Au signer tranquillement ta pétition et to kobi. Donc, il y a 100 000 Congolais parce que déjà est avancé. Kalamingite, il y a 100 000 Congolais. Zala Congolais a yambo oko se précipité pour nous rejoindre. Peu pour nous signer pétition na yo. O signer histoire en Mbokanayo. O signer histoire en Mbokanayo. C'est très important. Signons tous cette pétition. C'est très important. Na plus 243 81 57 20 388. O commis bonjour Jésus aux huit pétitions. Bonsoir Jésus aux huit pétitions. Ou encore moté aux huit pétitions. C'est simple. Hein? Nous travaillons pour la République. Alors. Le président Tshisekedi a l'acquis déjà volonté naïe. Il y a plusieurs vidéos que nous pouvons mettre à votre disposition. Mais en ce moment, Tomonike, l'entourage du chef de l'État est basé à encourager ou bien basé à accompagner. Le président de la République n'est pas accompagné. S'il vous plaît, ne nous appelez pas encore. Le président de la République n'est pas accompagné. Nous voyons. Bato o balobayi ke mokonzi mboka nde alingaki nazala président ya telle chambre à parlement mokonzi mboka nde asepelaki nazala telle ou telle place. Mais le président de la République a quand même fait confiance à certaines personnes. Mais bato wana bazo zongisa elembo ya confiance o mokonzi mboka sali bangote. Voilà aujourd'hui bato nyoso baza mobilisé pour combattre les présidents de la République, mais aucune personne, motomo côté à Union Sacrée, azo travailler ou encore azo sala l'attaque aux adversaires à bateau bazo combattre Mokonzi Mboka. C'est nous population congolaise netoza rosala mosala à la place de certaines personnes. Omoni Shadari, Katumbi, Kabila, Batonyonso, ba John Numbi, ba rebelle, ba Corneille Nanga, banane lissous, même ba Kagame de loin, baza otia ba moyen, Kabila de loin à l'extérieur du pays, Katumbi de loin à l'extérieur du pays, l'église catholique, ba sangani, ba fouti bato, ba fouti ba média, ba imprimé ba bâche, ba imprimé ba affiche, ba loué sonorisation. Ba vandi ba sokoli balati ba costume. Shadari a pris la parole. Le secrétaire général a décidé à Martin Fayulu a pris la parole. Ba lancé un message ya anti changement à constitution. Bazo attaqué, bazo vilipendé la propre volonté à population congolaise ya ko changer constitution na bango, ya ko faire adapter la république à une bonne constitution. Mais Vital Kamerhe n'est pas là. Jean-Pierre Bemba n'est pas là.
qui encore? Samalou Konde quand même. Samalou Konde a accompagné Mokonzambo Katan Azaki dans le Lubumbashi. Mais toutes ces personnes, le Baati, Bazar Olobate, Baati même a lancé les messages en disant que aujourd'hui, on n'a pas de problème de texte, on n'a pas un problème de loi, mais nous avons un problème d'homme. Donc aujourd'hui, Bato au Bazar au Kambana, président Tshisekedi Bazar Batote, nous avons un problème d'homme. Donc Tshisekedi, c'est un problème pour le Congo selon Baati. Batex et Bamibe Kotozan Lango, ils ont un problème T. Article 217 pour Baati, ils ont un problème T. Article 1, qui donne l'article 10, o été qui? Bon, somi na biso ba Congolais, pa ba paya. So ki obandi kotanga, constitution Kotozan Lango. Du premier article jusqu'au dixième article, vous allez comprendre déjà le débit. Il a recédé certaines parties de terre et pa ba paya. Mais Baati, c'est le bité. Namikanda, Namibeko, Nabatex et Tozanango, il n'y a pas un problème. Nous avons simplement un problème d'homme. Nakatsa Moranabiso. Donc, Baati reconnaît que Yemoko, en tant qu'homme, a zappé problème pour Namoka. Oh, il faut allonger le siège politique de Moranabiso. Si Baati dit que nous avons un problème d'homme, c'est que Kamere, c'est un problème pour ce pays. C'est que Jean-Pierre Bemba, c'est un problème pour ce pays. Lui-même Baati donc a lobby que Tshisekedi c'est un problème pour ce pays. Mibe kozan la problème te Tshisekedi le ngwa metoti ka la constitution. Voilà des traîtres. Voilà Batu o baza na même idéologie na mokonza mboka te. Moi je le dis à haute voix, nous avons un problème d'abord des textes dans ce pays. Na loi na droit international. Le texte et certains accords, ça joue un très grand rôle entre communautés, entre nations, entre États, entre organisations. Le texte joue un très grand rôle. Si comme Ibe Koninesa à notre disposition, Bazar Oebi Sabiso pendant tous les moments de Kabila, Kayemba, Oeza Okabola Biso du côté Bandundu avec l'Angola. Déjà une grande partie à Kayembe. Comment on y a Angolais? Kabila a été ici, Bachader Ibazala Kiawa, Balobela Yangoti. Et aujourd'hui, nous voyons même, nous écoutons même des prêtres rwandais de l'église catholique rwandaise, Bazar Olobake, Masisi appartient au Rwanda et le Rwanda a considéré, le Rwanda va continuer toujours à combattre pour récupérer son Masisi. Donc aujourd'hui, le territoire de Masisi, Oeza Rosomanakati, ya province, ya Nord Kivu, ba Rwande balobi eza ya bango. Ba Rwande balobi ke baroti kabiso kimiati. Parce qu'il y avait des accords à 2009, des accords il y a 2012, oh Kabila lobaki, soyez humble, soyez patient et dit calme, déjà bozomabele nabino. Tomoni na accord ya CNDP 2009, 47% na Nord Kivu cédé na partie rwandaise. Sur le commandement militaire, naba service foncier, naba régie financière, naba poste de commandement, naba entité territoriale décentralisée, le Rwanda avait obtenu depuis 2009. Kino Kabila alongwa na 2018 na mboko lokola mokonzi ya mboka, le Rwanda gérait le Nord Kivu à la hauteur de 47%. Le Sud Kivu à la hauteur de 38%. Et Ituri et aussi la province de Tanganyika, les Rwanda avaient aussi l'œil dedans. Au niveau du commandement militaire, au niveau de la police, dans l'entité territoriale décentralisée, les Rwanda aussi avaient un œil. Du côté de la régie financière, les Rwanda nommaient aussi la nationalité tutsi, la nationalité rwandaise, au niveau de certaines localités et villes. Au niveau aussi de certains territoires. Alors, est-ce qu'on peut céder l'autorité na biso ba congolais à ce niveau? Nous sommes un pays indépendant. Mais aujourd'hui, l'indépendance du peuple congolais est au monde en assouté. Aujourd'hui, l'indépendance de la nation congolaise est au monde en athée. Nous sommes bloqués par des textes. Nous sommes bloqués par certains caciques. Oyo ba mindimisa ke baza ba congolais mais ba te kimboka. Alors, écoutons ceci rapidement. Ici,
J'ai beaucoup apprécié le courage de la nation gabonaise Baleki dans le changement de la constitution, Baleki dans le référendum et Bazui une constitution adaptée à la nation gabonaise. Et ça nous fait dire bien aujourd'hui, c'est vraiment l'honneur pour, tout la, pour toute la population gabonaise. Aujourd'hui, voilà, révision constitutionnelle au Gabon. Voilà, un, écoutez certaines lignes. Il y a une nouvelle constitution en Gabon. Bisopé, tout l'on attend cette démarche. Gabon, c'est quoi, est comme sécurisé. Selon moi, selon ma vision, selon comment on en a dit, Gabon, c'est quoi, est comme en sécurité. Bisopé, bisopé, au Gabon, révision constitutionnelle. Un, le mandat du président quitte de 5 années à 7 années. Donc, dans le Gabon, mon konzambok a romanasso rosala 50 à rosala 7 ans. C'est déjà une victoire pour le Gabon. Bisopeto kota na démarche, c'est très important parce que 5 ans pour changer ce Congo avec le modèle que nous avons, il y a un régime, c'est pirement difficile. Mon konzambok a un mandat à 5 ans, mais il y a 50 ans, il y a 3 ans et demi. Avec certains arrangements politiques, avec l'organisation des élections prochaines, Mokonza Mboka a tout au plus 3 ans à la tête du pays. Et que changer Mboka à 3 ans, c'est insuffisant. Et ici, les Gabon et Zaroloba, le mandat passe de 5 ans à 7 ans. Il y aura plus de premiers ministres au Gabon. Donc, les Gabon quittent le régime semi-présidentiel au régime présidentiel. Donc, c'est juste le président qui est là. Le président est chef de l'État et le président aussi est chef du gouvernement. Lui-même va nommer ses ministres pour travailler dans le secteur Songolompagala. Et le Gabon en troisième position, le candidat à la présidentielle doit être né de père et de mère gabonais, son épouse y compris. Talaba gabonais, si kabale singa ce soit bonané awa, ba sepeli singa makasi. Mibeko ya Gabon et Sepeli Singaï à la troisième position. Balobi, le candidat à la présidentielle doit être né de père et de mère gabonais et son épouse y compris. Nenga toza na président Tshisekedi. Soki ba Congolais balobi ke élection sala malelo. Soki président Tshisekedi aye a postulé le kola candidat président de la République, il faut tata na ye azala Congolais, papa Étienne Tshisekedi. Il faut maman na ye. Aza la Congolaise, maman Martika Salou, il faut madame, épouse, Yamokonzi Amboka, maman Denise Nyakeru, Yemoko Aza la Congolaise, maman Oyaboti, maman Denise, na papa Oyaboti, maman Denise, Bangonyo Somi Bale Baza la ba Congolais, na ba Congolaise. Mobeko ya Gabon le Bibongo. Ici maintenant, selon le nouvel loi Oyekoya, parce qu'il y aura une commission Erosala nommée. En janvier 2025, déjà le président de la République, Otozana Esiko, remplit certaines conditions. Et Zobangisa Katumbi. Parce que Katumbi, papa naye c'est un étranger à Salaki Mundele Toyebi. Maman naye nationalité naye c'est un peu douteuse. À Salaki soit Baebi Sarabiso Katangaise, soit encore à Salaki Zambienne. Là, il y a un long débat sur ça. Et Katumbi a encore un autre problème. Sa femme n'est pas congolaise. Sa femme est étrangère. Quand on a débat à Kabila, Kabila déjà aza na ligne rouge ya ko pousanate. Ba Martin Fayulu kino lele to e ba village natal na été. Kino lele to e ba territoire na été. To e ba chefferie na été. To e ba soki collectivité na été ba Martin Fayulu. Do bango nyonso ba rozala pénaliser na mebok na mobeko ya sikekoya. Le Gabon à la quatrième position, le pays passe au régime présidentiel. Seul le président a le pouvoir de dissoudre les institutions dans l'Assemblée nationale. Bazar oyebi sabiso, le pays n'est pas ni l'ouma cédé ses terres pour la cohésion africaine. Gabon est lobby boya. Le Gabon est coquille ko cédé mabele na yangote au nom de la cohésion africaine. Gabon et Lobiango. Gabon et Lobiango. Mais batou oyo nazo nazo landa chadari. Nazo landa ba tata na biso ya molimo ba chole. Ba nani ba ambongo. Bozo boya article
217 longwate. Bozo tingama na article 217 pourquoi? Kabila lesibino nini? Kabila alesibino mbuma ya bonoki ya kobosa na kikongole ukua. Article 217 bato ba diembeli na yango ba telemi ba bouger yango te. Opposition ezolo bela kutu na nouté article 220. Parce que na article 220 ne bazo bisabiso sur le mandat ya mokonza mboka. Mandat za 5 ans une fois renouvelable. Opposition ezotala kuna te. Opposition ezotala mingi ezobunda mingi pona intérêt ya Rwanda na article 217. Nous sommes un pays vaste. Un pays au centre de l'Afrique. Un pays entouré. Un pays où est la frontière dans le pays ébélé. Nous avons plus ou moins 9 voisins. Nous avons partagé dans la frontière. Jamais. Nous avons eu un peu na Centrafrique te na Cameroun te na Congo Brazzaville te na Uganda te na Burundi te na Rwanda te na Soudan du Sud te na Tanzanie te et na Zambie to tika la rozo likanisi wana te to za entouré na 4 nations africaines mais ce sont les nations africaines qui cherchent toujours des parties de terre et pas na biso lokola to sala bango publicité à article 217 ya Kabila parce que Kabila za roloba Eza constitution na ngai. Kabila lobara eza constitution na ye. Alors, tellement que Kabila eza constitution na ye, aza mopaya. Et si to sala effort, to longo la ye na Congo, akende azwa constitution na ye. Est-ce que bandeko basala na service à DHL? Bazota la ngai, bandeko basala na ba service à ba transfert à ba kou, ya ba courrier, ba marchandise. Bande konyon souan bo ako sa na DHL, na ba service à transfert, bo luka ngayi, na pe sabino constitution, to tinde la yango Kabila sika zali. To zongi se la ye constitution na ye, parce que moyen ezate ke a zonga na Congo, a yako so constitution na ye, parce que aza obanga ba okanga ye. Alors, de là où il est, to tinde la Kabila constitution na ye, o azo beta tolo, a sa la campagne ya... Il y a référendum pour en revoter oui à sa constitution. Alors, le col les a yé, to saleli Kabila koli, to songi cela constitution na yé elanda yé sikazali. C'est très important. Alors ba congolais to lingana, ngana moni hein, pour na to long habitumba to sala ngona est, commençons d'abord par changer cette constitution. Pour na to longa infiltration, to longa traîtrisme. Tolonga makambu bitumbe bele to sala na niveau ya armée na niveau ya la poulousu na ba service à sécurité na niveau ya administration tala à chaque fois to le larakara ke to zora ba député étranger tala à chaque fois to le larakara to zora ba ministre étranger à chaque fois to le baka ke ya un tel rwandais na tel poste ya un tel ougandais à tel poste ce qui na fongoli téléphone bande ko ba na robenga ngai to koyoka na kombo ya bakonzi na kombo ya batu baza o kambabiso a un certain niveau donné o koyoka kene non jesi encore azalaka burundi oh non qui encore stéphane balamwanga azalaka rwandais donc toyebani biso na biso toyebani na ba nationalité a batu belé na kati ya mboko oyo alors pour quitter ces dangers o eza toujours kolanda biso essayons de réfléchir to pesa na makanisi netingai na bandi ko pesa likanisi na constitution a sika de rozoa article 217 ekoya Congo République démocratique du Congo ne peut pas céder une partie de sa terre au nom de la solidarité et de la cohésion africaine non na lobi deja kuna eza article a liboso na pesi na za congolais mabele o eza ba koko nanga j'ai aussi le droit de proposer président Tshisekedi ba congolais boyo ka ba proposition nanga article a liboso le Congo ne peut pas céder une partie de sa terre au nom de la solidarité africaine. Article 1. Article 2. La République démocratique du Congo, pour être président de la République, les candidats à la présidentielle doivent avoir la nationalité congolaise de par son père, de par sa mère, et il doit être marié à une Congolaise de père et de mère et de souche.
Article 3, parce que on a su copier ça qui est article 2. Article 3, la République démocratique du Congo doit avoir un régime présidentiel ou un président de la République après son élection, après sa prestation de serment, le président de la République à 24 heures doit déjà nommer son équipe gouvernementale et entrer au travail. Et le président de la République est la seule personne qui a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Et nous devons passer à une seule chambre du Parlement, quittant les deux chambres du Parlement à une seule chambre du Parlement. Tous à la canne, Assemblée nationale. Supprimons les assemblées provinciales. Et rentrons au niveau des 11 provinces. Supprimons les conseillers municipaux. Pour être général au sein de l'armée congolaise, il faut avoir la nationalité congolaise des pères et des mères. Il faut qu'on bat la paix moins si au hasard congolaise. Qu'on la président de l'Assemblée nationale, toye bayo, toye bo outa po boutama. C'est très important. Voilà la manière dont il faut te réfléchir. Faisons aussi la permutation au niveau de l'armée Nabiso, c'est très important. Alors, bah, Congolais, on s'arrête là parce que le programme est très long. Durant cette journée, Bandeko Baza Ota Labiso est belé. Et le programme continue. Merci beaucoup, Bandeko Baza Ota Labiso. J'ai un message ici. Bandeko Bazo Komelabiso, vous êtes très nombreux en train de nous écrire. Alors, bah, Congolais, merci beaucoup. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, un message de notre ami Piero Chibangu qui vient de nous lancer un message ici. Urgent. Bonjour la famille dédiée, nous vous espérons en bonne santé. Par le biais de ces messages, nous avons voulu justement vous signaler du report de notre activité Mo Arara 2024 qui devrait se tenir demain samedi à 16h. Il y a eu un désaccord avec le lieu de l'activité, avec l'église Crée du Rocher qui loue la salle. Mais nous espérons vous revenir avec une nouvelle adresse très bientôt. La structure Mo Arara présente ses esquisses sincères. Portez-vous bien. Excellente journée en Christ. Message signé l'organisation d'Adi Pierre Chibangu, qui était l'organisateur et orateur de ces grands événements qui devraient avoir lieu demain à samedi 20 novembre 2024, mais reporté à une date ultérieure. C'était Mo Arara 2024, reporté dans les jours à venir. On va encore avoir de plus amples précisions par rapport à cet événement. Alors, merci beaucoup Nabandeko Touba Talibiso. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Amwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo yo Tangwango yango yo koki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye oh, yeah, yeah.